Oh, gloire à toi, Seigneur. Kembo isonga na yokolo. Au nom de Jésus. Nakombo ya Yesu. Père, Tata, bénis ces moments. Ngonga oyo. Bénis ces moments. Pambola ngonga oyo. Et transforme nos vies par ta parole. Pe bongola bomo ya bato na nzela liloba na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo ensemble. Alléluia. Amen. C'est notre journée des prières. Ezamo konabiso ya losambo. Et je voudrais parler de quelque chose qui me paraît un peu simple, mais pas très capital. Nalingina lobele loko moko o ezali kotal sama pete me ezali motuya makase. C'est à propos de du salut et la louange par une intercession persévérante. Nanzela ya lobiko pe masanzoli na o etali ko bondela ya ko rumela. Je dirais peut-être que s'il fallait que j'intitule le message, je dirais les résultats d'une intercession persévérante jusqu'au bout. Ce qui n'a qu'au pèse à maman, les cambo na matin en angaï, n'a qu'au baké, mano, ya, ko bon de la oye, rumeli, tikino na soka. Ou l'intercession jusqu'au bout, les résultats de l'intercession jusqu'au bout. Mais puisque je vais parler du salut et de la louange, amen. Amen. Je voudrais nous dire que Jésus-Christ est merveilleux. Qui croit que Jésus est merveilleux? Qui croit sincèrement que Jésus est merveilleux? Amen. Amen. Qui croit que à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, il mérite un salut extraordinaire? Nani azondi makena otali misala ya lobiko otali Yesu azaliko ndimsamana otali lobiko ya malamu. Qui croit que à cause de ce que Jésus a fait pour lui, normalement sa bouche doit être remplie de louanges? Nani azondi mana otali Yesu asalela ye monokone sengele tondi samana masanzo. Alléluia. Amen. Jésus a tellement fait de choses pour nous. Et il nous a prévu un salut extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Pitié, parce que ce n'est pas ce que nous vivons. Pitié, parce que tous les paquets de bénédictions que Jésus nous a réservés, nous n'en entrons pas en possession. Et je vais vous donner une seule raison aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas d'intercesseur. Vous n'aurez pas tout dans votre vie si
vous n'avez pas des gens qui prient pour vous. Amen. Et même l'Église ne vivra pas toutes les promesses extraordinaires de Dieu tant que les intercesseurs ne prient pas jusqu'au bout. Atako Église et Kobi Kelate, Bilakanyon son onzambe alaka, soki basambe libazo sambe la te kino na suka. Je voudrais dire que le salut que nous expérimentons n'est pas seulement fonction de ce que Dieu a accompli pour nous, Jésus a accompli pour nous, mais c'est aussi fonction des prières que nous faisons monter à Dieu. La couleur des expériences que nous allons faire avec Dieu dans la vie ne sont pas seulement déterminées, n'est pas seulement déterminée par l'œuvre extraordinaire de Jésus à la croix, mais c'est aussi déterminé par la manière de prier et particulièrement par la manière dont les intercesseurs prient. Langi ya makambo tokobikela elongo na Nzambe ezali kaka te pona misala ya kitoko yo sasala kina ekulusu ezali kolandisa mapeli susu na lolenge basambeli bazali kosambela pe biso moko. Amen. La semaine ici j'ai lu une histoire poso oyo na yokaka mona kili solo moko. J'ai lu une histoire d'une église qui était en train de croître de manière extraordinaire. Et qui a commencé à s'implanter partout. Alors, celui qui raconte cette histoire, il dit, et une fois, il est allé prêcher dans cette église. L'église était pleine. Mais une autre fois, il est arrivé. Il voulait prêcher dans cette église. Il trouve que l'église était vide. Il pose la question, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment dans cette église qui a toujours été très pleine, aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens. On lui a donné la réponse que le nouveau pasteur qui était venu à l'église a interdit à une femme qui priait chaque jour à l'église de continuer à le faire. Pour l'histoire, dans cette église, il y avait une femme chaque jour. Elle venait et elle s'agenouait devant l'estrade. Et elle priait chaque jour. Et quand elle priait chaque jour, le résultat, c'est que l'église était en vie. Quand on a interdit à cette femme de prier chaque jour, on lui a dit non, il faut aller te débrouiller parce que le nouveau pasteur a trouvé qu'elle dérangeait. Alors, la chute a commencé. L'histoire du combat d'Israël et contre Amalek dans Exode chapitre 17 nous apprend que chaque fois les mains sont levées vers Dieu, le peuple de Dieu est vainqueur. Quand les mains s'affaiblissent, l'ennemi prend l'avantage. Lisolo yabana isale le bitumba bana isale na Amalek ezali kote ya biso tango maboko etombomaki elonge zalaki na ngambo ya isalele soki kiti bango babene kokakema. Ce qui s'est passé sur le champ de bataille
dans Exode chapitre 17, quand Josué était en train de combattre contre Amalek, l'issue du combat ne dépendait pas de la force de Josué, mais ça dépendait de main levée de Moïse sur la montagne. Aaron et Hur qui étaient à côté de Moïse, ils s'étaient rendus compte de ça parce que chaque fois que Moïse essayait un peu seulement de baisser les mains, là-bas, les ennemis étaient en train de tuer les enfants d'Israël. Je veux dire une phrase qui est forte. Qui veut que je dise une phrase qui est forte? Le moment où il y a pénurie de prières, c'est un moment où l'ennemi prend l'avantage. Bangonga oyo lo sambo esate na bomo ya moto nde bangonga wana moyini ayebakana ko dominer moto. Même l'église, le moment où il y a pénurie de prières, quand il n'y a pas de prières, attaque en église ce qui lo sambo ezalite. Vous allez sentir que l'ennemi commence à prendre le dessus. Boko mona moyina bani ko longa. C'est pour cela l'une des choses que nous avons instituées dans notre église depuis décembre 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Nous avons institué le système de chaîne de prière. Dieu m'avait inspiré le système de chaîne de prière où chaque ouvrier doit prendre au moins 1h30 dans la présence de Dieu au jour de son choix et permettre à ce qu'il y ait à tout moment un ouvrier qui soit en train de prier chaque jour. Yangwana utamela mbula 2000 ans et sali de mbula tukumi bale to soa ki mayele yakosala ke basali nyoso bale kisaka molongo ya losambo ngunga moko na ndamo pote makasi na molimo ezala. La raison, c'est pour maintenir la flamme de la vie de Dieu dans l'église chaque jour. Amen. Malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas ça. Si ils viennent, ils font cette prière de manière formaliste et d'autres, il faut le suivre par derrière pour qu'ils le fassent. Mabe zali ke ebele bazo sosolate bamususu basala kango kaka pona ko sepelisa bato bamususu fo landaye na sima mokongo tindika ipasala yango. Le salut ou la manière dont nous allons vivre Dieu dépend de la permanence de l'intercession. Lobi koto lolenge tokobi ke lanzambe zali ko landisa na lolenge tokosambela katango yiso. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un avait dit, si un intercesseur comprend c'est quoi l'intercession, il va avoir peur d'entrer dans l'équipe d'intercession. Parce que, au fait, je vais être un peu pratique. Quand il n'y a pas une intercession, l'ennemi prend l'avantage. Donc, les membres de l'église peuvent tomber malades. Ils peuvent connaître des accidents. Ils peuvent subir les flèches de l'ennemi. Imaginez à un moment donné où il n'y a personne qui prie. Il y a, sans intercession, toute la prospérité et la bénédiction que Dieu a promis aux enfants de Dieu ne vont pas être expérimentés. Même le succès dans le ministère est tributaire des prières qui sont faites pour vous. Je vais vous dire une chose que vous allez voir, peut-être vous n'allez pas comprendre ça.
Quand vous voyez un homme de Dieu puissant, ne croyez pas nécessairement qu'il est un homme puissant dans la prière. Oh, merci papa. Si vous voyez un homme de Dieu puissant, il jouit d'une grâce d'être soutenu par des personnes dans la prière. Dès que vous voyez une personne être forte avec Dieu, la grâce que Dieu lui a accordée, c'est de susciter pour lui les gens qui prient pour lui. Alors je vais vous dire, par grâce et par miséricorde, Dieu peut susciter pour son serviteur des intercesseurs inconnus. Mais il n'y a personne qui peut dire qu'il peut exercer le ministère et réussir à avoir un succès fort sans être soutenu par les prières des autres. Et aucun ministère, aucun département, aucune chose ne peut prospérer, réussir et vivre tous les plans que Dieu a prévus pour lui sans avoir des gens qui prient pour lui. Dès que vous voyez quelqu'un qui ne comprend pas ça, soit il est ignorant, soit c'est un orgueilleux. Amen. Amen. Si vous avez besoin de vivre tous les plans de Dieu dans votre vie, vous avez besoin que les gens prient pour vous. Demande pas à ton voisin qui prie pour toi. Amen. Et ça, c'est l'un des avantages d'être membre permanent d'une église, parce qu'en ce moment-là, tu es connu par des personnes qui peuvent te porter dans le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, qui a eu la révélation de la moitié du Nouveau Testament, qui a une Bible avec? Où est la Bible là? Le Nouveau Testament, la moitié des livres, c'est Paul qui a eu ça par révélation directe de Dieu. Mais pour réussir dans le ministère, il dit: priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre ma bouche pour annoncer l'évangile, que Dieu m'accompagne. Il a déjà eu la révélation, mais il a besoin des gens pour prier pour lui. Amen. Amen. Vous comprenez? Il y a même des choses que Dieu peut vous avoir déjà données. Mais vous n'allez pas exceller dans ça tant que vous n'avez pas de personnes qui prient pour vous. Amen. Merci papa. C'est pour ça que je peux vous dire, plus une église est forte dans l'intercession, plus elle sera conquérante, plus elle aura du succès, plus un homme de Dieu a des intercesseurs, plus il aura du succès. Amen. Amen. Le succès de l'homme de Dieu ne se trouve pas seulement dans son onction, mais ça se trouve aussi dans le nombre des personnes qui les placent devant Dieu
jour et nuit. Ezalaka pe na motango ya bato bayebaka na komema eliboso na Nzambe butu pe mo. C'est pour cela aucun homme de Dieu ne peut être orgueilleux comme si il était quelqu'un de quoi que ce soit. Yangwana mosa na Nzambe moko ta ko koza na lolendo po na kotasa ke ye moko na makama so azali kolonga. Amen. Les résultats que je vais avoir à la fin de ce message ne sont pas seulement tributaires des onctions ou des révélations que j'ai eues de Dieu. Ce n'est pas seulement tributaire des connaissances que Dieu m'a données. L'impact du message que je vous prêche ici dépend également des gens qui ont prié pour moi. Amen. Amen. Le jour où tu ne pries pas pour l'église, tu n'as pas besoin que ton église vive le plan parfait de Dieu. Le jour où tu ne pries pas pour les hommes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, tu ne désires pas que le plan merveilleux de Dieu se réalise pour eux et à travers eux. Alléluia. Amen. Et toute personne pour qui tu ne pries pas n'attend pas voir Dieu réaliser de grandes choses dans sa vie. Amen. Que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos amis, vos frères et vos sœurs. Si tu as besoin de voir quelqu'un vivre les meilleurs avec Dieu, deviens son intercesseur. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je répète, si tu as besoin que quelqu'un vive le meilleur de Dieu dans sa vie, deviens son intercesseur. Et ne deviens pas un intercesseur sporadique. Deviens un intercesseur d'un court instant ou de quelques instants. Deviens son intercesseur permanent. Amen. Toute personne qui tu pries de manière permanente, c'est une personne qui vivra le meilleur de Dieu dans sa vie. Dis à ton voisin, sois mon intercesseur. Il ne va pas être ton intercesseur, il ne connaît même pas ton nom. Hein? Et puis ne vous en faites pas. Quelqu'un à qui tu donnes le nom, hey, c'est quoi ton nom? Lévi Akwasapi. Lévi Akwasapi. Oh, c'est vrai. On va prier aujourd'hui. On va prier. Oh Seigneur, je prie pour Lévi Akwasapi. Je prie pour Lévi Akwasapi. Je prie pour Lévi Akwasapi. C'est fini. Et si l'Igawana, la nuit tu l'oublies. Nabutu obosani. Demain tu l'oublies. Lobi obosani. Les mois prochains tu l'oublies. Sanzo elandi obosani. Ne crois pas que ta seule prière là l'aidera à vivre tous les plans de Dieu dans ta vie toute sa vie. Kobanza te kaka lo sombo sambela ki amokolo moko e ko sala ye abiki la makamono so malamu Nzambe abongisa ki na bomo na ye. Amen. Et dans la logique de la prière, on ne prie pas pour Lévi Akwasapi en priant seulement Lévi Akwasapi et puis c'est fini. Non. Normalement, on prie pour Lévi Akwasapi jusqu'à ce que tu vois que la chose que tu as demandé est arrivée. Amen. Amen. Merci, papa. Exode chapitre 17, on dit: quand les mains de Moïse étaient levées, Israël était vainqueur. Quand les mains étaient baissées, l'ennemi était vainqueur. Aaron et Hur ont tenu les mains de Moïse. Ils ont dit jusqu'à ce que
Josué a remporté la bataille, alors ils ont dit. Dis à ton voisin, je vais prier pour toi. Hein? Si tu as un voisin, dis-lui ça. Alors, dis-lui, je vais te montrer comment je vais prier pour toi. Qui veut montrer à son voisin comment il va prier pour lui? Je vais vous montrer. Choisis quelqu'un, tu vas lui dire, je vais te montrer comment je vais prier pour toi. Enlève toutes tes notes avec toi, enlève. Enlève ta Bible. Mettez ça par terre. Mettez vos téléphones par terre. Tout ce que tu tiens, mets ça par terre. Maintenant, levez les mains. Regarde la personne pour qui tu veux prier. Dis-lui, je ne vais pas baisser mes mains jusqu'au jour où ta situation va changer. Wow. Tu as baissé déjà. Garde les mains levées comme ça. Maintenant là, tu vas faire comme Moïse. Tu vas prier pour la personne toute la journée. Hein? Dis-lui, est-ce que tu peux le faire? Non, sincèrement, est-ce que tu peux garder tes mains levées comme ça? Garde un peu les mains levées. Je vais compter jusqu'à demain. En tout cas, pardon. Toi, tu lèves pas les mains, toi, tu ne pries pas pour quelqu'un. Toi, tu ne pries pas pour quelqu'un. En plus, c'est un jour spécial pour toi. Tu ne pries pas pour les gens. Maintenant, les amis, pour prier pour quelqu'un comme ça pendant une heure du temps, qui a déjà fait ça? Pardon, ce n'est pas une punition que je vous donne. Si tu veux, tu trouves ça comme une punition, baisse les mains. Mais je suis seulement en train de vous montrer. Si tu es en train de prier pour quelqu'un comme ça, imagine que si tu baisses seulement, il va tomber malade. Ou le diable va le tuer. Comment vous commencez à sentir vos mains? J'ai déjà vu, il y en a qui commencent à faire comme ça. Toi, l'église va avoir des problèmes. Lève les mains. Vous voyez, prier pour quelqu'un comme ça montre la volonté. Il y a un degré de souffrance dans l'intercession. Est-ce que tu as déjà intercédé pour quelqu'un en étant en train de souffrir? Toi-même, tu es en train de souffrir à cause de l'intercession. Qui a déjà souffert pendant qu'il prie pour quelqu'un? Safari, j'ai vu, tu es de. Otomboli. Si, toi, tu ne pries pas pour moi. Yo, pardon. Qui trouve que c'est facile? Nana, mon ezapete. Est-ce que c'est facile? Ezapete. Maintenant, demande à ton voisin comment Moïse a pu tenir toute la journée. Tuna motaza pene na yo nengani ni mose ayeba kina kosala ngo mokomo. Assieds-toi. Vanda siko bisko sami. Wow. Maintenant, Sikoyo, honnêtement, tu dis à ton voisin, j'ai compris pourquoi tu ne vis pas tous les plans de Dieu. C'est moi qui suis faible dans l'intercession. Donc, quand j'ai prié pour toi, déjà, quand je commence à prier pour toi, vous savez comment j'ai prié pour toi? Seigneur, Aristote, Nkenke, touche-les. Simbaye. Je passe. Naleki. Souviens-toi de lui. Kanisalaye. Je passe. Naleki. Cédric Koussou. Seigneur, c'est ton fils. Cédric Koussou. Cédric Koussou.
Merci Seigneur. Matin du colo. Je passe. Naliki. Qui encore? Fiston Mabonda. Fiston Mabonda. Fiston Mabonda. Je passe. Naliki. Hein? C'est pas comme ça. Et ça va monter, hein? Irène Mbala. Irène Mbala. Je passe. Naliki. Hein? C'est pas comme ça. Bon côté, hein? Ce n'est pas comme ça. Et ça bon côté, hein? Ce n'est pas comme ça que tu pries pour la personne. Au sein de la rabongote pour la moto yango. Qui a déjà passé toute la nuit? Nani a leki sa butu mobimba. Ah Seigneur Vincent Munongo. Kolo. Ah Seigneur Vincent Munongo. Ah Jésus. Ah yes. J'ai vu sa situation. Namoni Seigneur. Kolo. Si tu ne changes pas. Soko bongo lite. Oh Seigneur. Oh, kolo. Le salut ne vient que de toi. Lobi kweka sa bana yo. Oh Jésus. Oh yes. Vincent Munongo. Vincent Munongo. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo. Éternel, regarde son foyer. Kolo, oh Seigneur Vincent Munongo. Oh Kolo. Vincent regarde Munongo. Son travail. Tala oh Seigneur Vincent Munongo. Oh, non non non, arrêtez, je suis encore même pas à 10 minutes. De là na sirisi na noter. Seigneur, Kolo, si seulement il n'a pas de promotion, so comment les gens sauront que tu es son Dieu? Ah, Vincent Munongo. Oh, Seigneur, il a des enfants. Kolo, si ses enfants tombent malades à tout moment, so comment on saura que son Dieu est celui qui protège de la maladie? Ah, Vincent Munongo. Ah, Seigneur Jésus. Qui croit que s'il y a une personne qui prie comme ça, Vincent Munongo va connaître des merveilles de Dieu. Qui croit? Amen. Amen. Hein? Qui croit comme ça? Amen. Seigneur. Kolo. Jésus. Mon mari, là où il est parti. Jésus. Maintenant, je regarde l'heure. Ça doit être l'heure où il entre normalement en réunion. Oh Jésus. Souviens-toi de lui. Seigneur, ne les lâche pas. Il est en réunion. Jésus, regarde ses collaborateurs. Jésus. Oh mon Dieu. Il est midi. C'est l'heure de la porte. Non, mais qui croit que tu pries comme ça pour ton mari et puis ton mari, quelqu'un peut se jouer de lui? Nani a bandi à sambeleni mobali na ebongo bongo mutu so sakana mobali na ye. Nani? Merci, papa. Merci. Hein? Waouh. Merci, papa. Apparemment, vous n'aimez plus, hein? Na moni bozo se pena mabute ya te. Vous n'aimez plus, hein? Vous voulez que je change les méthodes d'enseignement? Vous voyez, les amis. Maintenant, asseyez-vous. Je vais vous enseigner la prière. Et surtout, n'oubliez pas. Chaque fois que tu ne vois pas le plein salut que Dieu t'a demandé, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Par exemple, Dieu a promis à son église d'être une église pleine et croissante. Et qui va dans les nations. Guérison et des miracles. Amen. Dieu a prévu que quand quelqu'un vient à l'église, il ait des saluts extraordinaires. Normalement, tel que nous sommes ici, avant même que je ne prenne la parole, Dieu a prévu que quand tu entres seulement ici, tout problème que tu avais puisse être solutionné. C'est ce que Dieu a prévu. Mais on n'aura pas toutes ces choses
Kasi tokozwa kama makambo nyonso te faute d'intercesseur. Pona basambeli bazate. Faute d'intercession permanente. Na kozanga kosambela ka ya tango iso. Hein? Le niveau de l'opération de l'onction dans l'église et dans les ministères est dépendant du niveau d'intercession en sa faveur. Et puis, Melo, il y a misala et pas quoi, dans l'église, il y a peine à l'automo, et Zolandi Samape, et puis, Melo, il y a basambe lito le sambo. Est-ce que je peux continuer? Nakoyi kokoba. Ou bien vous voulez compris? To bososoli. Hein? Koba papa. Vous voulez compris ou bien je peux continuer? Bososoli to balina koba. Maintenant, ce dont je vous enseigne, c'est pour que vous priez ici ou c'est pour que vous priez toute la vie. Alors, je vais vous parler d'un prophète. Qui veut que je lui parle d'un prophète? Je sais que vous aimez les prophètes. Mais je ne vais pas vous parler d'un prophète qui a vu les sous-vêtements des gens ou qui a vu les couleurs de soutien des gens. Je veux vous parler de quelqu'un qui a vu les plans de Dieu pour le monde entier. Peut-être c'est la grâce qu'ils ont eue. De détecter les chaussettes trouées. Koye bana koye baso kola ti chaussettes toboka. À chacun selon sa grâce. Moto na moto ba pesi kola ni sangolu. Hein? Je vois tu as porté une chaussette trouée. Ola ti chaussette kase toboka na mosapi. Je veux vous parler d'un prophète spécial. Qui veut que je lui parle de ces prophètes spéciaux? Ce prophète-là, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Son nom, c'est Ésaïe. Qui connaît le prophète Ésaïe? Tu connais le prophète Ésaïe? Est-ce que tu sais que le prophète Ésaïe est l'un des prophètes que si tu ne les lis pas, tu ne comprendras pas la Bible? Toi qui n'as jamais lu les livres d'Ésaïe, je te conseille d'aller lire tous les livres d'Ésaïe. Ésaïe n'est pas un long livre. Ésaïe, Ésali, Mokanda ya Molaïté. Ça seulement 66 chapitres. Ésali kaka naba mokapo tuku motoba na motoba. Apprends à lire. C'est en lisant que tu deviens intelligent. Yeko la ko tanga na ko tanga ndeko koma motoma yele. Amen. Amen. Hein? D'accord. Dis à ton voisin, je vais lire le livre d'Ésaïe. Yebi sa motaza pene na ko tanga mokanda na Ésaïe. Qui a déjà lu les livres d'Ésaïe? Oh Dieu merci. J'ai dit tous les livres d'Ésaïe. Oh, gloire à Dieu. Maintenant là, ce que j'ai dit ici. Vous qui avez déjà lu tous les livres d'Ésaïe. Pardon, levez encore la main. Que quelqu'un vienne prendre le micro maintenant. Et il va vous montrer que ce que j'ai dit ici, c'est la vérité. Ezali bosolo. Qui va venir nous montrer ça, s'il vous plaît? Nani akoya kotalisa biso awa liboso. Non, c'est simple. Ezali pete. Vous qui avez lu le livre d'Ésaïe, bino ba obotanga mokanda na Ésaïe, vous savez que Ésaïe a 66 chapitres. Boyebi ke Ésaïe ezali na mikapo. Et les 66 chapitres de la Bible, nous pouvons les diviser en trois parties.
Normalement, Ezaïna que deux grandes parties. Esaya Azalina eteni mi balé a minene. Mais les deux grandes parties ont ce qu'on appelle l'intermède historique ou une parenthèse historique à l'intérieur. Donc, Esaïe a 66 lits. Normalement, ça a deux parties. Tuku motoba na motoba e kaboni na biteni mibale. Mais qui a une petite partie à l'intérieur. Normalement, na biteni moko moke na kati. La première partie eteni aliboso, c'est ce qu'on appelle la partie du jugement et des réprimandes. Ezali eteni o babengi etan eteni ya sambiselo pe ya bitumbu. C'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 35. E bandi na mokapo ya yambo. Et là, il s'agit de Dieu qui est en train de montrer ce qu'il n'approuve pas et comment il va châtier les gens. Et de chapitre 36 au chapitre 39, c'est ce qu'on appelle l'intermède historique. Là, on parle de l'histoire du roi Ézéchias. Sa maladie, sa prison et comment dire, son châtiment parce qu'il s'était il était devenu orgueilleux. Il était quelqu'un de très bien. Et quand il est tombé malade, il a prié. Dieu l'a guéri. Et il est devenu orgueilleux. Et Dieu l'a frappé. Et de chapitre maintenant 40 au chapitre 66. Là, il s'agit des prophéties maintenant là sur le salut et l'espérance du peuple de Dieu. Amen. 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 Alors, je vais que vous puissiez comprendre. La première partie, c'est le jugement. La deuxième partie, c'est sur les prophéties, sur le salut. Comment le salut viendra. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi, je vais juste donner quelques extraits, quelques remarques qui font le livre d'Ésaïe, c'est un livre à lire. Na koyeba na kotali sakaka mwa ba biteni mike oyo kotali sake buku oyo Ésaïe ezali buku esengeli totaka. On appelle Ésaïe le prophète évangéliste. Bazobenga Ésaïe mo sakoli mo palangani sa. Vous savez pourquoi? Oyebi pona nini? Parce que de tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a parlé de Jésus-Christ ou du Messie de manière abondante comme le prophète Ésaïe. Et si vous lisez Ésaïe, vous avez les tableaux de la vie de Jésus depuis sa naissance, sa vie, la croix, jusque même dans son règne futur. Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre d'Ésaïe? Il faut aller lire. À partir du livre d'Ésaïe, vous aurez même l'histoire de comment Jésus allait naître, comment il allait grandir, comment il allait mourir,
comment il allait ressusciter, comment il allait régner, revenir pour régner pendant 1000 ans encore. Extraordinaire. Un autre fait intéressant avec Esaïe, Esaïe parle du salut que Dieu accorde à son peuple. Et dans l'Ancien Testament, le seul livre d'Esaïe contient le mot salut trois fois plus que tous les autres livres. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Bosaliawa. Oh là là. Est-ce que vous êtes là? Bosaliawa. Qui a le livre d'Esaïe qui l'ouvre ça un peu? Ouvre un peu le livre d'Esaïe. Qu'est-ce que tu remarques quand tu ouvres ça? On commence par chapitre 1, verset 1. Alors, regardez. J'aime toujours vous dire quelque chose de très important. Vous savez à quel moment Esaïe a écrit son livre? À quel moment? Avant Jésus ou après Jésus? Avant Jésus ou après Jésus? Esaïe a écrit son livre environ 8 siècles avant Jésus. Esaïe a komaki mokanda na ye yambo ekeke mwambe Yesu abotama. 8 siècles avant que Jésus ne yambo ekeke mwambe Yesu abotama. Alléluia. Amen. Mais les détails qu'il donne sont extraordinaires. Kasi makambazo fongola na mozindo eza kitoko makasi. Alors, voici maintenant quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Quand Esaïe écrivait ses prophéties, il écrivait, il écrit ce que Dieu lui dit. C'est dans un rouleau, il écrit seulement. Il n'a jamais dit chapitre 1. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes en train de lire le livre d'Esaïe, il faudra que vous puissiez savoir que c'est un seul message. Donc, chapitre 1 est lié au chapitre 2, 3, 4, 5, jusqu'à 66. Alors, si vous voulez lire le chapitre 53, vous devez savoir que à quoi? Au chapitre qui sont avant. Est-ce que ça aide quelqu'un la manière dont je parle? Amen. Quand est-ce qu'on a mis les chapitres? Tango nini bayebaki na kokabolango na mikapo. Les chapitres n'ont même pas été mis au temps de Jésus. Mikapo wana bachaki yango te na tango ya Yesu. Non. Te. L'histoire nous apprend que c'est en 1227 après Jésus-Christ que quelqu'un du nom d'Étienne Langton avait commencé à séparer la Bible en chapitres. L'isolé zali kobete la biso ke ezali nambula kotoyoko na kamami bale na tukumi bale na sambo nde l'isolo yango babetaki. On a commencé à séparer les versets, nde baba les chapitres. Kokabola mikapo. Amen. Amen. Et ce n'est qu'en 1555. Ezali na mbula kotoyoko kamamitano que on a mis maintenant les versets tels que nous les avons. Nde ba ekotia ba talatala ndenge tozali kotanga wana. Donc Esaïe, quand lui il écrivait, tango Esaïe abane kokoma, c'est un seul document.
Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, quand tu lis ce qu'il y a dans le chapitre, par exemple, quand tu lis ce qu'il y a dans le chapitre 66, tu devais savoir que c'est lié à 65, c'est ainsi de suite. Ok? Oh là, ok? Ok. Vous êtes parti ou bien vous êtes là? Ok, il te bosse à l'Iwana. Quand vous voulez grandir avec Jésus, il faut qu'on vous enseigne. Pas seulement qu'on vous prêche, mais il faut qu'on vous enseigne. Parce que ceci va vous permettre de commencer à découvrir de vous-même d'autres choses merveilleuses. Un bon pasteur n'est pas seulement celui qui vient avec les plats tout préparés et il vous dit bon appétit. Un bon pasteur est celui qui vous dit aussi ah, bon appétit. Oh, bon appétit. Bon appétit. Merci. Mais aussi regardez comment on prépare ça. Amen. Parce que le pasteur ne sera pas toujours là et il ne vous donnera pas toutes les révélations. Mais vous devez apprendre de vous-même comment aller et trouver des révélations de la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de faire, c'est vous montrer comment lire la Bible et comment comprendre un message de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous ai dit que Ésaïe, quand vous lisez ça, il y a un peu deux parties. C'est-à-dire la partie où il parle de jugement et puis la deuxième partie où il parle de quoi? De salut et de l'espérance. Et maintenant, je vous ai dit aussi que Ésaïe parle du salut par qui? Le Messie. Amen. Amen. Maintenant, il y a des versets que tu lis toujours. Je vais vous montrer. Je vous ai dit que la deuxième partie commence à partir du chapitre 40 jusqu'à 66. À partir du verset 40, chapitre 40 jusqu'à 48, là, on parle du rétablissement du peuple de Dieu après les jugements. Donc, après les avoir châtiés, Dieu dit, voici comment je vais vous rétablir. Maintenant, à partir du chapitre 49, jusqu'au chapitre 53, c'est là où on parle de la prophétie de l'arrivée du serviteur messianique, c'est-à-dire le Messie. Comment Jésus va venir? Hein? Et du chapitre 54 au chapitre 59, le prophète donne encore des prophéties sur comment Dieu va rétablir le peuple. Mais à partir du chapitre 60, c'est là que le prophète commence à dévoiler l'avenir glorieux du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il commence à dévoiler l'avenir glorieux du peuple de Dieu. Et quand vous regardez ça, on parle des premiers destinataires. Les premiers destinataires, il s'agit d'Israël. Mais les deuxièmes destinataires dont on parle de l'avenir glorieux, il s'agit du peuple de Dieu racheté par Christ, savoir les chrétiens et l'Église. Maintenant, je vous parle. Il y a le jugement et il y a la promesse du salut et de la gloire.
l'espérance. Avec la venue de Jésus dans ta vie, normalement, c'est à quoi tu dois t'attendre, c'est la gloire. Amen. Pas les jugements. Les jugements, Jésus l'a porté pour nous à la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu n'es plus destiné à être châtié. Dieu ne te destine plus à être châtié. Tu ne dois plus être l'objet de punition de Dieu. Tu dois être l'objet de la grâce de Dieu et du salut de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions aller dans les chapitres 60 maintenant. Prends ta Bible. Chapitre 60. Et si tu veux que ça soit pour toi, tu vas lire ça à haute voix. Alléluia. Amen. Waouh. Qui veut lire ça avec moi? Il se met debout. On y va ensemble. On va juste lire trois versets. On va aller. On y va. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi s'élève. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Qui veut expérimenter ça? Qui veut expérimenter ça? Qui veut briller avec Dieu? Qui veut briller avec Dieu? Qui veut que notre église brille avec Dieu? Amen. 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 Toi qui veux que Dieu t'aide à les vivre. Que Dieu t'aide à les vivre. Maintenant, allons, il y a beaucoup de choses à dire, mais sortons. Chapitre 61. Restez debout, on va lire. Vous étiez assis depuis longtemps. Restez debout, on va lire. 61. On y va. Ça, regardez. Hein. On y va. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Point. Pardon. Qui a dit ces choses? Plus tard, qui a écrit ça? Mais qui a dit que ces choses sont écrites sur lui? Qui a dit que ces choses sont écrites pour lui? Et il a dit ça pour qui? Pour qui? Pour nous. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus pourquoi? Pour nous annoncer à nous les malheureux quoi? De bonnes nouvelles. Amen. Amen. L'Esprit de Jésus est venu pour nous annoncer quoi? À quoi sommes-nous destinés en Jésus-Christ? À des bonnes? Amen. Amen. Si tu étais malheureux, l'Esprit du Seigneur est venu pour quoi? Pour t'annoncer quoi? Et si tu avais un cœur brisé, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur a fait sur Jésus? Guérir. Allons-y au verset 2. Ce que Jésus est venu faire pour toi. Dis à ton voisin. Ce que Jésus est venu faire pour toi. On y va ensemble. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de cendre. Hush! Le Sion là, c'est l'église. Sion, c'est l'église. Sion est à l'église. Hein? Allons-y. Okay. Une huile de joie
au lieu de taire. Ça, c'est pour qui? C'est pour qui? On y va. Okay. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. À partir d'aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus, bah, tu vas être habité d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Okay. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. On y va. Okay. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses pour lui-même? On y va maintenant, verset 5. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Est-ce que tu comprends que tu es destiné à avoir des travailleurs? Tous ceux qui ne sont pas des chrétiens seront tes travailleurs. Amen. Je reçois. Hein? Amen. Qui est en train de donner un bon amen? Amen. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. On reprend ça. Vous mangerez Bokolia, les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de leur gloire. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Hein? Qui commence à aimer Esaïe maintenant? Ça parle de qui? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, disait Jésus, pour accorder toutes ces choses. Que l'on continue. Que l'on continue. On est en quel chapitre, verset? Ça, on a divisé en quelle année? Est-ce que Esaïe a écrit avec des versets comme ça? Tu vois, c'est pour ça que quand tu lis un verset, tu t'arrêtes. Au lieu de continuer la suite, sachant que lui, il avait écrit jusqu'à... Maintenant, pourquoi tu ne jouis pas de la richesse des nations? Pourquoi? Toutes ces choses qui sont promises ici, pourquoi tu ne vois pas ça? Pourquoi tu ne vois pas ça? Pourquoi nous ne voyons pas ça? Que les nations... Pourquoi nous ne voyons pas ça? Mais je vais vous montrer encore d'autres choses. Vous voulez qu'on voit encore d'autres choses? Allons-y, quel verset? On y va. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Et il m'a couvert du manteau. Amen. Ah. Comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare des joyaux. Attendez, attendez. C'est là. Vous,
tu vois ce que Jésus avait prévu. C'est que tous les efforts qu'une fiancée fait pour le jour de son mariage. Ouais, non. Je vais vous dire, beaucoup de filles, les maquillages qu'ils ont le jour du mariage. Vous ne les reconnaîtrez pas juste après le mariage. Mais en fait, je vais juste prendre une illustration pour vous dire. Vous voyez comment la fiancée s'est fait belle le jour du mariage. C'est un seul jour. Mais pourtant, ce que Dieu a prévu pour son peuple, c'est que tu sois maquillé, que tu sois maquillé tous les jours. Donc, un peu pour dire, tu vivras en permanence cérémonie de mariage. Tu vois le maquillage que tu as. Le jour où tout le monde fait quoi quand il passe. Je vois quelqu'un à partir d'aujourd'hui, il va entrer dans ça. Toi, chaque jour, tu seras en train de passer. Les gens vont faire quoi? Amen. Pourquoi ça n'arrive pas? Continuons. Tokoba. Verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Attendez, est-ce que vous voyez que le salut et la louange, donc toutes les bonnes choses qu'il a dit là, ça ne viendra pas du coup. Ça va germer comment? Comme la sémence. Et comme le sol fait éclore. C'est germe. Vous voyez, quand vous voyez une gerbe sortir, c'est sorti. Mais ce n'est pas automatique. Il y a eu un temps où on a sémé. Donc, ton salut, ta louange, ta délivrance, toutes les choses qu'on a dit, ta gloire, ça va venir comment? Comme une sémence. Mais maintenant, qu'est-ce qui va pousser que cette sémence vienne? Non. Qu'est-ce qui va pousser que ton salut vienne et que ta louange aussi vienne? Qu'est-ce qui va faire ça? Non, attendez. Continuons la lecture. Quoi? On dit en présence de toutes les nations. Donc, ce que Dieu est en train d'attendre, c'est que tout le monde voie qu'il a intervenu pour toi. Amen. Et toi-même, tu es rempli de louanges. Comment ça va arriver? Qu'on s'arrête là. Hein? On va continuer. On va continuer où maintenant? Verset combien? 62. C'est 62 qui montre comment ton salut viendra. Hein? Allons-y maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Wow. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre salut vient d'où? Lobi connaît où tu as. Qu'est-ce qui amène la sémence à sortir? Ni ne sera que kona ebima. Qui ne s'était point? Dieu. Nzambe. Il dit ton salut. Alobi pona lobi konayo. Je ne mets. Na kovanda kimia te. Et l'apôtre nous dit. Toma pola lobi biso. Nous aussi. Biso pe. Nous avons un souverain sacrificateur. Tozali Jésus. Qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède.
Il intercède pour nous comment? Jour et nuit. Regarde, si les démons ne t'attaquent pas, si tu n'as jamais été objet d'accident, heureusement pour toi, parce que tu as un intercesseur au ciel. Et c'est qui? Il dit pour l'amour. Pour l'amour d'Edgar Kaoulou, je ne m'éterrai point. Quand chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, Jésus-Christ se célèbre. C'est ce qui s'est passé avec Étienne. Quand on était en train de le lapider, il n'est pas resté assis. Dans Actes chapitre 7, on nous dit que Jésus s'est levé. Il dit non, Père. Hey. Dis à ton voisin, j'ai un intercesseur au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saviez ça que Jésus intercède pour nous? Mais maintenant, regardez. Si Jésus intercède pour nous, pourquoi toutes les choses que nous attendons ne viennent pas? Je vais vous dire. Asseyez-vous maintenant, je vais vous dire. Qui veut que je lui dise? Amen. Qui veut vraiment que je lui dise? Je vais terminer dans quelques minutes. Quand Dieu nous a créés, il a créé l'homme. Il a dit quoi? Il a créé l'homme à son image. Mais après avoir créé l'homme à son image, qu'est-ce qu'il a dit? Domine. Konza. Sur quoi? Domine sur tout. Ça veut dire que Dieu avait fait de l'homme Dieu de la terre. Amen. Merci, papa. Dieu a dit, tout ce qui est sur la terre, je le donne à l'homme. Merci. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas dit dominons. Mais il a dit domine. Alobi yo konza. Donc je te laisse 100% du contrôle de tout ce qui se fait sur la terre. Natikyo o konza nyoso yo moko. Mais vous savez ce que l'homme a fait? Bwebi oni motasala ki? Quand il a péché, tangwa sumuki, il a pris cette domination. Azu ko konza wana, il a donné ça au diable. Apese ango na diabolo. Ah. Choka. C'est pour cela Yangwana, le diable est maintenant appelé Diabolu Abengami, le dieu de ce monde. Babengi Nzambe Yamokiloyo. Merci papa. Le jour où il est venu tenter Jésus dans le désert, Mokolo oyaki komeka Yesu na esobe, il dit à Jésus, Ayebisi Yesu, prosterne-toi devant moi. Fuka melangai, et je te donnerai tout le royaume. Nakopesa yo bokonzi nyonso. Jésus n'a pas dit tu es menteur. Parce que le diable avait dit la vérité. Merci papa. Maintenant, quand Jésus allait à la croix, Jésus a dit, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand Jésus est mort à la croix, il a enlevé le pouvoir au diable de contrôler. Mais, Kasi, à une seule condition. Na oetali condition moko. Que chaque homme motonios vienne à Dieu aya et dise pe aloba, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Pas à cause de moi. Tepo na ngai. Moi, j'avais déjà vendu mon droit. Nga na teka ki deja ki bokulu to na ngai. Mais au nom de Jésus. Mais na kombo na Yesu. Père,
Tata, aide-moi à récupérer. Sungangai nasua na botola. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Na ebisabino na numaka. Malgré toute la volonté de Dieu, atako mokano nyonso ya Nzambe, il ne fera pas quelque chose pour nous tant que nous ne prions pas. Akosa lelo kote po na biso soki to sambeli te. Amen. Donc, toutes les intercessions de Jésus ne peuvent pas fonctionner si nous-mêmes, nous ne prions pas. Merci, papa. Merci, pardon. Papa. Merci, papa. Ésaïe, chapitre 62. Esaïe. On y va. Reprenons 62 maintenant. Tozui tuku motoba na mibale. On y va. Tokei. On y va. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. On y va, verset 2. Alors, les nations verront son salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. J'ai pris que ta saison de changement de nom arrive. Amen. Je reçois. J'ai pris que. Est-ce que tu sais qu'à cause de ce que tu vis, les gens t'ont donné un nom? Les jours où l'Éternel va agir dans ta vie, on t'appelait un nom nouveau. Mokolonza bakosale la yo bakobengo na komba sika e. Amen. On continue rapidement, on continue. On y va. Tokei. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Amen. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On y va. Tokobi. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. On y va maintenant 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. S'il vous plaît, verset 6. Yamotoba. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Oh! Aïe, 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 aïe. On y va. Tokobi. Et la rende glorieuse sur la terre. S'il vous plaît. N'abonde libino. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel. On rappelle les souvenirs de l'Éternel en faisant quoi? La prière. Et la prière de quoi? Hein? Plaidoirie. Bientôt mon livre va sortir. Sur l'art de faire toutes sortes de prières. Vous qui êtes toujours là. Prince Lutonadio, c'est ton enfant. Prince Lutonadio, mon anayo. Où est la gloire que tu lui as promis? Oua, pikembo, la kakie. Vous qui êtes placés comme des gardes, bino, obo, 25, roba, si ne laissez pas de relâche à Dieu. Mboko. Ne laissez pas Dieu tranquille. Boti, kanzambe, kimiate. Dieu vous a placé Zamba, tue, pour bino, que vous puissiez prier. Pouete, bon, sambe, la ka, mokolo, pe, butu. Soyez en communion avec Jésus. Il intercède pour les autres, intercède pour eux. Intercédons pour l'Église, jour et nuit. Et les
n'acceptons pas d'y répondre à Dieu jusqu'à ce que le salut apparaisse et que la gloire apparaisse. Si tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, si nous avons besoin de voir la gloire de Dieu dans l'église, nous devons intercéder comment? Jour et nuit, et jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous verrons les saluts, jusqu'à ce que nous verrons ce que Dieu a promis. Chacun va demander à Dieu deux choses: d'élever les intercesseurs pour son église et d'élever les intercesseurs pour lui. Qui a besoin de ça? Que Dieu élève les intercesseurs dans notre église. Pas les intercesseurs qui, pendant même que vous prêchez sur ce message, ils somnolent de fatigue. Non, non, les intercesseurs qui, qui jeûnent jour et nuit. Que Dieu élève des intercesseurs. Parmi les choses que Dieu m'avait données comme directive pour que nous vivions pleinement la multiplication, Dieu m'avait demandé d'élever au moins 70 intercesseurs d'élite cette année. Mais même ceux qui étaient là sont en train de faire... Eh Dieu, élève dans notre église des intercesseurs. Et pour toi-même, demande à Dieu la grâce qu'il élève pour toi des intercesseurs. Écoute, tu ne pourras pas toujours prier pour toi-même correctement. Amen. Tu vois, aujourd'hui c'est différent. Chaque jour tu pries toujours. Hé Seigneur, aujourd'hui tu vas lui demander de susciter des intercesseurs pour toi. Si tu levais, nous n'avons que deux minutes. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Que Dieu élève des intercesseurs dans notre église. Des gens qui sont prêts à prier jour et nuit. Que Dieu élève les ouvriers qui doivent faire la chaîne de prière, soutenir l'église. Prier, oh mon Dieu. Que Dieu élève les gens qui s'engagent à être des intercesseurs dans cette église. Maintenant, lève aussi tes mains. Dis, Seigneur, s'il te plaît, lève les gens qui prient pour moi jour et nuit. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. J'en ai besoin, surtout moi. Ton salut ne paraîtra pas si tu n'as pas des gens qui prient pour toi. Ton vêtement de louange, tu ne le porteras pas s'il n'y a pas des gens qui prient pour toi. Seigneur, suscite les intercesseurs à ma faveur. Seigneur, suscite les intercesseurs à ma faveur. Seigneur, suscite les intercesseurs à ma faveur. Oh Dieu, oh Dieu. Les gens qui prient pour moi. Oh Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, fais-le. Dépose mon fardeau dans les cœurs des hommes et des femmes. À chaque seconde et à chaque vie, qu'il y ait quelqu'un qui élève mon nom devant Dieu. Afin que je sois comme un instrument de Dieu pour les nations. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous savez, toute personne dans laquelle le Saint-Esprit va déposer votre nom. Non.
le Saint-Esprit va déposer votre nom dans son cœur. Il met ton fardeau dans son cœur. Azali kocha mukumba na yo na motema na ye. Sera ton intercesseur. Akozala mosambeleli na yo. Je prie na sambeli que Dieu mette ton nom acha kombo na yo dans le cœur des gens. Na mitema ya bato. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, que mystérieusement, que le Saint-Esprit dépose ton nom dans les cœurs des gens. Et que les gens commencent à prier pour toi. Et toi, tu verras ton salut. Tu seras habillé de tes vêtements de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah. Je voudrais demander la prière pour mon compagnon, celui qui m'aide. Tout à l'heure, là, quand je dis prions, j'attendais que celui qui m'aide dans la prière puisse prier. Il n'est pas là, il est dérangé dans la santé. Ah. Vous savez que j'ai mon fils qui prie avec moi. Quand je dis prions, oh, il prie avec moi. Que Dieu rétablisse merdi à Kwasa puis au nom de Jésus-Christ. Qui veut prier pour mon fils? Qui veut prier pour lui? Seigneur, souviens-toi de lui. Élève ta voix et prie pour lui. Qu'il soit debout. Qu'il soit debout. Qu'il soit debout. C'est ton serviteur qui travaille à côté de ton serviteur. Souviens-toi de lui. Rétablis-le. Et qu'il soit sur ses pieds déjà cette nuit. À partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tous nos mains levées, nous allons prier pour Nadine. On a fait l'intervention. Et c'est une intervention très délicate. Dieu, fais un miracle. Salabi kamwa. C'est ta fille, c'est ta servante. Élevons nos voix et prions pour notre sœur Nadine. Zambe mona mosali na yo. Mona mwana na yo nzambe. Tango nyonso ayembelaka yo. Asalelaka yo nzambe. Bikisa bikamu elanda ye nzambe. Yo ndo zala na pièce à rechange. Ya ba pièce eza na nzoto na biso. Kolo eteni nyonso oye ko ekozala ya mabe longola tia ya kitoko. Mwana na yo azonga malamu. Mwana na yo atelema. Biteni ya nzoto esala. Selili nyonso ko ekokufa eso asusu bomoi. Ese kwa na kombo na Yesu. Elamuka na kombo na Yesu. Zambe kanisela ye. Kanisela mwana na yo Nadine. Salela ye bikamwa zambe. Tota tola yo. Yoka kolela na biso eglesia. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.